tous, donc bonjour à tous. Donc Véronique, je suis en région PACA, à Allauch, près de Marseille. Voilà, donc on va faire une petite heure là d'activité dansée. Je vais mélanger un petit peu de choses. Alors il faut savoir qu'en fait moi je fais ça en Zoom pour mon club depuis le mois de mars, hein, donc je commence bien à savoir comment ça se passe. Donc on va faire une première partie où en fait on va faire ce que j'appelle de la danse tonique qui s'apparenterait à de la Zumba, mais on n'a pas le droit de le dire ni de l'utiliser. Donc je l'ai quand même dit, tant pis. Du coup, en fait, cette partie-là, en fait, vous allez danser par rapport à moi, je vais être face à vous, et donc on va danser, et ça sera, c'est plus par mimétisme. Alors quand même, de toute façon, avant chaque danse, je vais vous expliquer un petit peu les pas, parce que vous n'avez pas l'habitude de danser avec moi, donc je vais quand même vous expliquer un petit peu les pas de chaque danse, mais vous verrez que c'est quand même assez répétitif, et c'est vraiment axé sur la musique, donc en fait, on a souvent un pas pour la partie refrain, Refrain. pour la partie. Voilà, donc on va donc danser comme ça. Et dans la deuxième partie, on va faire de la line dance. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de la line dance, donc j'ai fait des line dance de débutants et je les ai toutes adaptées pour travailler que sur un seul mur parce que je trouvais ça très compliqué en fait de me retrouver en fait sur plusieurs murs. Voilà, donc alors la danse tonique, eh bien on va donc démarrer. Je vais vous mettre la musique. Prévoyez quand même une bouteille d'eau, hein, c'est quand même important parce qu'on a besoin de s'hydrater pendant la danse. Voilà, normalement je dois être à peu près bien positionnée, même peut-être un tout petit peu plus loin. Voilà, c'est vrai que là je me suis mis en tout petit, donc du coup je vais quand même peut-être me mettre en affichage parce que là j'ai quand même un peu du mal. Je suis quand même assez loin, donc je vais me mettre en affichage intervenant parce que sinon je ne vais pas voir si je suis bien placée. Voilà, là je suis bien placée. Au niveau du son. Bien, alors, donc la première danse que nous allons faire, c'est une danse d'échauffement. Et on va utiliser la chanson Le Coach de Soprano pour s'échauffer. Donc c'est quand même assez cardio tout ça. Alors, dans Le Coach, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous allons avoir des relevés de genoux, d'accord? Nous allons avoir des talons-fesses plusieurs fois. Ensuite, nous allons avoir des respirations tranquilles. De la petite course sur place, une partie où on tapera les poings et où on fera donc des squats, comme ça. Allez, je vais vous mettre la musique, vous allez voir. Je vais quand même vous parler en même temps pour vous indiquer un petit peu les changements de pied. Et on est parti. On va commencer par le genou. On y va. Genou. 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 Toujours se relever. Genou. 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 Genou.
On en fera 8, et puis je vous dirai en double, hein, donc on fait 2 pas à droite et 2 pas à gauche, on en fera un certain nombre, et quand je vous dis ça change, on fait encore 2 pas, mais là on change les bras, on fait des ronds de bras, à droite, à gauche, une seule fois, on fait 4 pas sur place en remuant un petit peu les épaules, on pointe et on pointe. Voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je suis là, je vous annonce les pas au fur et à mesure. Et puis normalement, on arrive à le faire. Allez, c'est parti. Magic in the air. On va partir en V7 lentement. Attention, on y va. Et ah. Et à gauche. Et à gauche. Et à gauche. Et à gauche. Ça passe pour la peau.
Voilà, mon micro était coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, je l'ai remis là, mon micro. Hein. Donc, alors, je redis donc. Hein. Les fentes avant, les fentes sur le côté. Après, on a un petit pas de danse qui est le mambo. Mambo à droite, mambo à gauche. On n'en fait que deux. Et on va faire quatre petits pas sur le côté. Et encore, mambo à gauche, à droite, pardon, mambo, hein, dans la gauche, c'est bien ça, côté, 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 je ne sais plus où est ma droite de ma gauche. Et ensuite, on va saluer, le dernier pas, c'est saluer. Donc, en fait, on fait des rangs devant, des rangs derrière, sauf qu'en fait, on baisse le torse devant et on regarde son bras derrière. Et on en fait donc quatre à droite et ensuite, évidemment, quatre à gauche. Et à la fin de la musique, il y a un petit mouvement où il ne chante plus. On fera des pas sur le côté en mettant des bras. Et au retour, on met un bras au côté, un bras en l'air. C'est un petit peu pour faire de la coordination. Bon, ouais, c'est juste coordination. À la fin. Je veux bien compris cette coordination. Allez, donc, on est parti. Tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend. Un petit pouce pour me dire vous entendez. Super. Allez, on part sur les formes d'avant du pied droit et puis gauche après. On y va. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être malade. Et on reprend du bord. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même des fois les parler. Et sauter. La sacrée papa. Dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Mambo, mambo. Mambo, côté, côté, côté. Mambo, mambo, côté, côté. Encore. Mambo, mambo, côté, côté, côté. Mambo, mambo. Non, j'abandonne. Mais oui, ça coupe sans arrêt. Je peux pas regarder un truc. Et on charge à côté, à gauche. Et on repart, une.
n'y croit pas. Et un jour, on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui dans la société est responsable. Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais quoi, la vérité, c'est ça. Faut que c'est de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a. Et attention, bravo! Bravo! Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, qui sort, 4 pas sur place et on revient et 4 pas sur place. Ça c'est le premier pas. Ensuite un deuxième pas, ça va être, on va avancer le pied, bon peu importe lequel, hein, donc votre pied gauche, parce qu'en fait moi là je pars de ce côté là, je ramène le droit, je recule et je fais 2 pas sur le côté, pareil de l'autre côté. Je mets le pied devant, j'amène le pied droit, le pied derrière. Je ramène le pied derrière, je touche avec le pied de devant et 2 pas sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mouvement. Sinon, on a aussi 2 pas sur le côté et on reste 2 temps. Et 2 pas sur le côté, on reste 2 temps. 2 temps ou 4 temps? Je ne sais plus, on verra avec la musique. Et dernier mouvement, un peu de, alors de bachata, ce mouvement qu'on vient de faire là, où on reste, on pourra aussi le faire à un moment donné en rolling vibe, pour ceux qui ont l'habitude du terme, c'est-à-dire en tournant, hein, et on reste 2 temps, où je reviens. Ceux qui ne veulent pas tourner, ils font la même chose que précédemment, c'est-à-dire 2 pas sur le côté. Hein, ceux qui ont des problèmes d'équilibre, ils restent sans tourner. Hein. Et le dernier pas, c'est hanche. Et je marche 3 petits pas, et hanche, et j'amène bien ma hanche, 1, je force, 1, hein. J'amène ma hanche. On est prêt? Allez, on est prêt pour la petite bachata. Ah,
S'il vous plaît. J'entends parler. Non, toutes les fois, vous... la vidéo s'arrête. Des fois, la vidéo s'arrête. On ne voit plus rien. Ça, c'est le problème de connexion Internet chez vous, malheureusement. Vous ne pouvez pas compter. Comptez, s'il vous plaît. Non, je vous vois, mais vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus. Vous entendez pas. C'est bien. Ça, c'est le problème de la connexion Internet, malheureusement. Vous ne pouvez pas compter. Si, je peux compter, mais ça ne va pas vous apprendre beaucoup, parce que si vous avez, voilà, vous avez encore la musique quand même ? Ah mais oui, mais j'ai tout, mais je veux dire, j'aimerais quand on fait les pas qu'on compte. Moi, j'ai pris l'habitude de compter toujours. Et oui, c'est la line dance, effectivement, on compte en line dance. En danse tonique, on ne compte pas trop, parce que, en fait, voilà, c'est en imitation, donc effectivement, quand vous ne me voyez pas, c'est embêtant. Et on peut compter dans notre tête.
Je vais essayer de compter un peu plus sur la prochaine. Alors, la prochaine, elle est très tonique, donc je vais la compter. Excusez-moi, juste avant qu'on reprenne, merci de bien couper vos micros pour que justement on puisse entendre que Véronique parler et les consignes de Véronique en même temps. Merci bien. Alors, donc la prochaine, c'est Céline Dion, « J'irai où tu iras » en duo avec Jean-Jacques Goldman. Donc c'est un rock, c'est bien tonique, mais il n'y a pas beaucoup de pas. Hein, donc il n'y a pas beaucoup de pas, c'est quand même assez facile à se rappeler. Alors quand Céline elle chante toute seule, on va monter le genou 4 fois et ensuite on tend et on fait un pas de bourrée pour changer de côté. Et je monte 1, 2, 3, 4, tend, pas de bourrée. Donc je vous le dirai, 1, 2, 3, 4, tend, pas de bourrée. 1, 2, 3, 4, tend. Pas de bourrée. Comme c'est Jean-Jacques qui chante tout seul, on fait du side touch avec des claps. Hein? Quand il chante tout seul. Quand il chante, alors après, elle dit j'irai où tu iras, donc je vous montre la direction. On y va en courant, j'irai où tu iras, on salue. Hop, on va de l'autre côté, j'irai où tu iras, on salue. On revient, on twist, hein? On fait un peu ce qu'on veut. Hein? C'est rock twist un peu. Hein? Quand tous les deux chantent ensemble, tous les deux, c'est du rock arrière et pas chassé. Attention, c'est très tonique. Hein? Rock arrière, pas chassé, rock arrière, pas chassé, rock arrière. Si vous ne voulez pas trop faire les pas chassés, vous pouvez faire rock. On tend en haut, rock, on tend. C'est un peu moins tonique et ça fatigue un peu moins le cœur si vous n'arrivez pas à faire vraiment les pas chassés. En général, donc on fait 8 fois les choses, hein, pour celui qui n'entend pas, qui a pour laquelle l'image est figée, en général on fait 8 fois les choses, hein, c'est du tempo rock base 8 ans. Quoi. Ensuite, il y a un mouvement plus lent, on va faire des pivots, donc on va faire 8 pivots en tournant dans un sens, ça n'a pas d'importance, et puis ce qu'on fait de toute façon, les 8 pivots pour tourner dans l'autre sens. Hein. Donc ça c'est la partie un peu plus calme. Hein. Vous êtes prêts? Prêtes? Prêts? Il y a beaucoup d'hommes, hein? J'en ai plus dans mon cours, j'en avais avant, ils sont tous partis. C'est triste. Allez, Céline Dion. Attention Céline, le genou! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, pas de courir! 1, 2, 3, 4, 7, 7, pas de courir! Encore! Pas de courbée, encore. J'aime, 3 petits pas, Jean-Jacques. On va aller là-bas. Et on reprend.
Ok, bien tonique celle-là, hein? Alors, je vous conseille de faire un petit coup, hein? On s'hydrate, hein? Ça va, vous n'avez pas trop chaud? J'en vois qu'il y a encore des pulls. Il y en a qui ont encore des pulls. Vous avez trop chaud. Ouvrez les fenêtres, ouvrez les fenêtres. Allez, la dernière en tout cas de Zumba. On va donc faire soprano Casanova, qui est plus tranquille. On démarre avec des pas de valse tranquille. On en fait 6. Ceux qui peuvent tourner, tournent. Sinon, les autres font 2 pas de valse de plus sur le côté. Hein? Donc, premier pas, on a ça, les mouvements tranquilles. Ensuite, on va avoir des pas sur le côté 1 et 2 fois. Bon, ça n'a pas d'importance, je ne suis pas partie. Donc là, je vais vous dire à droite, à gauche, à droite, 2 fois. À gauche, à droite, à gauche, 2 fois. D'accord? Donc, on a ce mouvement. Et le dernier mouvement, c'est 4 pas chassés vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Et quand on va reculer, on recule un pas, on recule un pas et on fait un chassé. C'est encore sur le tempo 1 et 2. 4 hein? Pas chassés devant. Et je recule 1 et pas chassé. Je recule 2 fois et pas chassé. Après, au milieu, il y a une phase là, où on a des mouvements de bras, mais là, vous me suivrez, il n'y a pas besoin. Allez, on est parti. Allez, mouvement en main d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je tourne. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je cours. Encore.
4, 5, 6, je tourne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je tourne. Et je suis ma belle révérence de danseuse étoile. Allez, bien. Eh bien, pour la danse tonique, c'est terminé pour aujourd'hui. On va continuer avec un petit peu de danse en ligne, parce que je ne sais pas trop qui y a, qui veut faire quoi. Donc, on va quand même faire un peu de danse en ligne. Alors, j'ai pris quand même des musiques que je pense que tous ceux qui ont fait la danse en ligne doivent connaître. Donc, on va partir sur Tahiti. Donc là, je vais faire en fait des présentations comme de la danse en ligne. Alors, j'ai adapté toutes les danses pour les faire que sur un seul mur. Donc, dorénavant, vous allez voir mes fesses. Voilà. Et donc, moi, du coup, je vous vois sur mon autre écran de contrôle. C'est bien parce que, du coup, j'en profite un petit peu de vous. Alors, Tahiti. Tahiti, donc, elle est quand même assez facile. Première section. Pas de côté, pas chassé, rocking chair. Et je reviens. Avec les comptes. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Et je suis en appui sur ma jambe droite qui va permettre de repartir sur la gauche. On fait la même chose. Pas de côté, pas chassé, rocking chair. Ok? Donc avec les comptes, là c'est la même chose. Hein, donc on était là. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviens. On va mettre les deux sections en même temps. Je vous indique les pas. 7, 8. Pas côté, pas chassé, rocking chair. Pas côté, pas chassé, rocking chair. Donc quand on a fini, en fait, je suis bien, on appuie sur ma jambe gauche. La troisième section, c'est step demi-tour pas chassé, step demi-tour pas chassé. Pour ceux qui ont l'habitude, sinon ceux qui n'ont pas l'habitude, le step demi-tour, donc je place mon pied droit devant. Je fais un demi-tour, du coup, vous ne me voyez plus évidemment, vous êtes de l'autre côté. Et on va faire un pas chassé du pied droit, c'est le pied droit qui est devant et le pied gauche qui chasse. Et on fait la même chose pour revenir. Donc step, ce coup-ci c'est le pied gauche qui passe devant. Demi-tour, je fais demi-tour, vous me revoyez, là vous êtes de nouveau dans le bon sens, et pas chasser du pied gauche, le pied gauche est devant, et on chasse du pied droit. La partie un peu plus difficile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de danser. Donc je refais cette section, step, demi-tour, et pas chasser, step, demi-tour, et pas chasser. Si vous n'y arrivez pas trop bien, c'est pas grave, vous essayez de vous récupérer, si vous n'avez pas le pied droit, pas le pied gauche, c'est pas grave. Avec les comptes, celle-ci, donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, ok? Et donc on revient, on est de nouveau en appui sur le pied gauche. On va refaire les trois sections. 7, 8, pas côté, pas chassé, rocking chair. Pas côté, pas chassé, rocking chair. Step demi-tour et pas chassé pied droit devant. Step demi-tour et pas chassé pied gauche devant. D'accord? Dernière section, donc ça y est, on a fini, hein, on a fini la musique. Donc c'est un jacks box. Jacks box, ça veut dire je vais croiser mon pied droit devant mon pied gauche, je recule le gauche, je ramène le pied droit à côté du pied gauche, et je ramène mon pied droit. Alors normalement, dans la vraie Corée, ça nous sert à faire un quart de tour. On ne fait pas le quart de tour, hein, trop compliqué. D'accord? Donc le child's box, et ensuite on a les petits sauts. Donc on fait un petit saut là, on tape des mains, un petit saut, clac. Donc la dernière section, c'est le child's box du pied droit. Je croise, je décroise, je mets mon pied à côté, je le ramène. Et petit saut, là, petit saut, avec les comptes, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et 5, 6, et 7, ok? Et on reste toujours sur le même mur, et on recommence, la danse elle est finie. On va le faire une fois,
On va le faire une fois, donc je vous indique les pas. 7, 8. Pas côté, pas chassé, rocking chair. Pas côté, pas chassé, rocking chair. Step demi-tour et pas chassé. Step demi-tour et pas chassé. Jack's box. Et petit saut, clac, petit saut, clac. Ok? De toute façon, vous me voyez toujours, hein, sauf quand on fait les steps demi-tour. Donc éventuellement, si vous n'y arrivez pas, après vous vous rattrapez là-dessus. Alors, dans la musique, il y a aussi, donc, à la fin, il y a un tag. C'est quoi un tag? Ben, c'est quand, en fait, la musique n'est plus tout à fait adaptée, en fait, au pas qu'on est en train de faire, où il y a un petit quelque chose qui change dans la musique, on est obligé d'apporter 4 pas supplémentaires. Ces 4 pas supplémentaires, c'est facile, c'est un V-step, hein, donc c'est un V-step par la droite, c'est un V-step, hein, donc j'amène mon pied devant, et on n'en fait qu'un, c'est 4 temps. Alors, quand est-ce qu'il a lieu, ce tag? Ben, c'est juste à la fin de la musique, donc il va énumérer toutes les îles, Tahiti, Bora Bora, Montréal, il énumère les îles du Pacifique, et la deuxième fois où il énumère ces îles du Pacifique, à la fin, effectivement, on fait ça et on repart, pas côté, pas chassé. De toute façon, c'est toujours à la fin de la chorégraphie complète, hein, avant de reprendre pas côté, pas chassé. Donc une fois, on a le V-step et on reprend pas côté, pas chassé pour la dernière. Est-ce que vous êtes prête, hein? Vous êtes prête, hein? Allez, on va essayer, on va essayer. Alors, du coup, là, maintenant, on est ici. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Bamenté-Tahiti. Je vous demande de pouvoir remonter votre cachet-là. Je suis le commandant qui vous met. Bienvenue à l'ordre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement, c'est compris, pas compris.
J'ai effectivement utilisé des termes techniques, hein, donc effectivement le Jacksbox. Bon, pas côté, pas chassé, ça c'est pas trop compliqué. Hein, le Jacksbox, on croise le pied droit, on recule et on ramène. C'est le seul pas qui est un petit peu compliqué dans cette danse. Est-ce que vous êtes arrivé à le faire quand même en majorité là? Est-ce qu'il y a des petits pouces en l'air? Voilà, il y a des petits pouces en l'air. Bon, habituellement, normalement, quand on est en salle, eh ben, on le refait une fois. Alors quand même, ben, on va quand même le refaire une fois. Hein, on va le refaire une fois, puis après, je vous mettrai soit Bella, soit Jérusalema. C'est vous. Ah, Jérusalema, j'adore. Hein, si vous voulez faire Bella ou Jérusalema, vous le dites par chat. Hein, Bella, Jérusalema, et je ferai ce que vous voulez. Hein. Allez, Jérusalem. Bonsoir, en attendant, Tahiti, Jérusalem. 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 Voilà, plutôt écrivez-le, voilà. Allez, en attendant, Tahiti. Jérusalem et Jérusalem, verdict Séverine, qu'est-ce qu'elles ont décidé là? Est-ce qu'on voit? Excuse-moi, j'ai été coupée. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'elles ont répondu?
Il y en a qui veulent la musique sans que je compte et il y en a qui veulent que je compte sans la musique. On fera un petit point après, ne t'inquiète pas, mais il y a beaucoup de réponses. J'essaye de répondre au maximum. Alors, Jérusalem. Je parle à Jérusalem de partout, personne ne me dit Bella. Donc, on va faire. Oui, Jérusalem. Les deux vont bien. Voilà, allez, donc du coup, on va faire Jérusalem. Alors, Jérusalem, donc normalement, c'est. Alors, moi, je vous fais la version qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas la version live dance, là. Hein. Je fais vraiment celle des réseaux sociaux. Alors, je vous explique quand même les pas. Hein, donc, je vais me mettre quand même de dos pour vous la commencer. On démarre du pied gauche. Et on va pointer le pied gauche. Et on a des petits mouvements de bassin. Hein. Bon, ça, c'est les noirs qui l'ont inventé. Donc, eux, ils mettent le bassin. 4 à gauche. 4 à droite, d'accord? Ensuite, on va alterner, on pointe le gauche, on pointe le droit. Alors, on peut le faire en sautant, hein, mais on peut le faire tranquillement en pointant. Par contre, ça va quand même assez vite. Hein. Donc, on pointe à droite, hein. Donc, le début, je recommence. Les 4 bassins à gauche, les 4 bassins à droite. Et ensuite, et 1, et 2, et 3, et 4. Là est la seule difficulté de la danse, c'est-à-dire qu'en fait on va passer le pied gauche droit pardon, derrière et on fait un petit croisé là, avec le pied gauche devant. Donc vous avez vu, hein, j'étais là, donc et 1, et 2, et 3, et 4. Le et 5 c'est et 5, d'accord? Et après on part sur le côté. Alors normalement ce et 5 il sert à tourner aussi. Hein. Donc on va pas, vous faites comme vous voulez. Soit vous tournez, soit vous restez face à l'écran. Et 5, donc ensuite, c'est des pas, on marche sur le côté. 6, 7, 8. Le 8, je suis bien en appui sur ma jambe droite. C'est ça qui est important. Le 1 d'après, c'est le touch. Alors en line dance, on n'a pas l'habitude. Hein. Normalement, le touch, c'est le dernier temps. Hein. Mais là, c'est le 1. 1, 2, 3, 4. 4, je suis en appui sur ma jambe gauche. Et je vais reculer. Donc, on ne recule pas trop. Si vous restez sur un seul mur, il ne faut pas trop reculer parce que sinon, vous allez finir au fond du jardin. 5, 6, 7, 8. C'est tout la danse. Hein? Donc, on reprend. 7, 8. Je pointe, je pointe, je pointe avec la hanche, le côté gauche. Je pointe, je pointe, je pointe avec le côté droit. Ensuite, des petits pointés. Et 1, et 2, et 3, et 4. Le pied droit derrière. Et 5, 6, 7, 8. En appui. Un touch. 2, 3, 4. En appui. Et je recule du pied droit. 5, 6, 7 et 8. Je suis prête, en fait, à repartir sur la hanche. C'est bon? La musique est longue, hein? Alors, je vais commencer à rester de face, et puis au milieu, ben, je tournerai. Hein? Et si vous savez tourner, ben, vous tournez. Ok? Allez, Jérusalem. Je vous avais dit, on a pour 5 minutes. Hein? J'ai la version longue de Jérusalem. 5 minutes. Hein? Allez, on y va. Et cette musique, moi, elle m'a toujours donné envie de danser. Allez, on va attaquer. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3,
Mon micro. Voilà, je suis revenue. Est-ce que tout le monde m'entend? Faites des petits pouces comme à la gym. D'accord. Alors, j'ai bien pris note de tous les commentaires que vous avez mis sur le côté. On va faire un petit point. Alors, c'était une première. C'est un petit peu différent peut-être de ce que vous avez l'habitude.
mais on va essayer d'y trouver pour tout le monde des styles différents. La danse tonique, vous avez quand même beaucoup aimé, même si ce n'était pas toujours facile pour tout le monde de suivre. Dans tous les cas, on vous proposera différentes choses pour que ça s'adapte au mieux à tout le monde. Voilà. En tout cas, je voudrais remercier Véronique pour cette première séance parce que c'est pas facile. Moi qui fais les directs le jeudi, je sais que c'est pas facile et on a atteint quand même les 308 personnes à un moment donné. Donc, j'imagine le petit coup de stress. Voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à cette invitation de ce premier direct de danse. On va faire un petit point, on va revenir vers vous et il y aura d'autres directs de danse. Pour l'instant, il n'y a pas la semaine prochaine, on revient dans 15 jours. Donc la gym, c'est bien tous les jeudis matin et la danse, pour l'instant, c'est un mardi sur deux, pareil à 9h30. Mais vous inquiétez pas, avec Jacqueline et Laura, on travaille à la communication à chaque fois. Véronique verra tous vos messages tout à l'heure. En tout cas, merci à vous toutes et tous pour son dynamisme et les encouragements que vous lui avez faits. Oui, je sais, c'est dommage, mais pour l'instant, c'est tous les 15 jours et après, on verra. On va voir comment on s'adapte, ce qu'on peut vous proposer. Je sais que vous attendez aussi d'autres styles de danse. Donc, on va travailler là-dessus. On a bien entendu et vous savez qu'on reste au contact avec vous parce qu'on sait que c'est important en cette période un petit peu particulière. Voilà. Je pense que Laura peut nous rallumer les micros. Et puis, si vous avez des petits mots à dire, alors vous ne savez pas tous en même temps, mais... Très bien. Fort. Okay. Oui, c'est vrai, mais on pourra retrouver le cours sur YouTube. Alors, on a fait des enregistrements, comme pour la gym, donc vous allez retrouver en replay sur la chaîne YouTube. Merci. Ah bah, c'est bien, on va t'entraîner alors. Voilà, vous allez pouvoir vous entraîner, vous inquiétez pas. J'ai adoré. Très bien. Merci à vous, Véronique, vous entendez. Et bien, merci d'amuser. Merci. Merci beaucoup. Alors, Marie, on se voit jeudi prochain, alors. Merci. À jeudi.